Première mathématique, produit scalaire vidéo numéro 5. C'est parti. Nous allons voir les propriétés de calcul. Donc ce sera des propriétés à connaître par cœur. Donc, si on a U scalaire V, il faut savoir que c'est la même chose que V scalaire U. Il y a une symétrie. Par exemple, si on a AB scalaire CD, ben on peut aussi écrire CD scalaire AB. Deuxième propriété, si on a U scalaire de V, de vecteur V, ben ça sera pareil que positionner le 2 au départ, U scalaire V. C'est la même chose. Et si jamais on a 4u scalaire moins 2 v, et bien on fera 4 fois moins 2, on regroupera les nombres, les coefficients au début, u scalaire v, et du coup on pourra dire que c'est 8 fois le produit scalaire entre u et v. Propriété numéro 3. Donc si on a BA scalaire CD, si je veux changer le sens du vecteur, je mets le moins AB scalaire CD. Ce sera la même chose. Alors si c'est le deuxième vecteur que je veux changer de position, que je veux changer de sens, donc si on a BA scalaire CD, et que nous on voulait par exemple DC, et bien on mettra BA scalaire moins DC, et le moins on mettra devant moins BA scalaire DC. Propriété numéro 4. Donc U scalaire V plus W, on va développer tout simplement U scalaire V plus U scalaire W. Et si on avait par exemple 4U scalaire 2V moins 2W, et bien pareil, je développe. Donc je vais avoir 4 fois 2, 8, U scalaire V, moins 4 fois 2, 8, U scalaire W. Dernière propriété à connaître, qui est très utile. Si vous voyez vecteur u au carré, ça équivaut à vecteur u scalaire u. Mais attention, on se souvient qu'on ne peut pas écrire une lettre, ne peut pas écrire u carré, attention, interdit. Par contre, maintenant, si j'ai des sommets qui forment un vecteur OG, vecteur OG au carré, c'est égal à OG scalaire OG. Et là, on pourra dire que c'est OG au carré. On a le droit de le faire lorsqu'on a deux sommets qui forment un vecteur. Enfin, quand c'est juste une lettre. Nouvelle formule pour calculer un produit scalaire, mais en utilisant les normes à connaître. U scalaire V est égal à 1 demi de la norme de U au carré plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V, le tout au carré. Une propriété à connaître. Et une autre formule avec des normes pour aussi calculer les produits scalaires, U scalaire V, qui sera égal à 1 demi
de lambda u plus v, le tout au carré, moins lambda de u au carré, moins lambda de v au carré. Voilà, on a revu toutes les formules pour calculer des produits scalaires. Maintenant, nous allons voir des exemples. Alors, voici un exemple. On nous donne un triangle ABC. On connaît la distance AB qui vaut 4, la distance AC qui vaut 7 et la distance BC qui vaut 5. On nous demande de calculer le produit scalaire entre le vecteur AB et AC. Donc d'abord, nous allons réfléchir si on va utiliser cette formule-là ou celle-là. Donc tout dépend si on a la différence des vecteurs ou la somme des vecteurs. Donc moi, j'ai le vecteur AB et le vecteur AC. Donc ce serait mon vecteur U et mon vecteur V. Donc si je prends mon vecteur BC, ben, je peux le décomposer avec châle en BA plus AC. Et on a vu que moi je voulais du AB et du AC. Donc si je veux du AB, je vais faire moins AB plus AC. Et ensuite je vais mettre dans le bon ordre AC moins AB. Donc ici, je vais pouvoir utiliser la première expression parce que si mon vecteur U c'est AC et mon vecteur V c'est AB, et bien là j'ai une différence entre les deux vecteurs qui sera ici. Donc c'est là la difficulté de ces deux formules, c'est faut pas partir tête baissée. Donc là ici, je redis que j'ai fait une relation de châle. J'ai pris le vecteur BC parce qu'il me faut du AB et du AC et je sais qu'en décomposant BC, je peux injecter le point A et trouver que du AB et du AC. Et à la fin, si j'obtiens une addition, ben je vais utiliser cette formule-là. Si j'obtiens une soustraction, je vais utiliser cette formule-là. Donc, AB scalaire AC, qui finalement, c'est pareil que AC scalaire AB. Donc lui va jouer le rôle de U, de vecteur U, et lui le rôle de vecteur V. Donc, je vais avoir 1 demi, norme de AC au carré, plus norme de AB au carré, moins la norme de AC moins AB au carré. Donc ça me fera 1 demi. Donc la norme de AC, je peux aussi l'écrire comme ceci. AC au carré plus AB au carré. Et AC moins AB, et ben je sais que c'est BC moins BC au carré. Et on n'a plus qu'à remplacer par les nombres qu'on connaît. Ça fait 1 demi de facteur AC, on connaît que c'est 7 au carré plus 4 au carré. Moins 5 au carré. Et là, on va trouver en calculant 20 le produit scalaire de AB scalaire AC est égal à 20.